Et salut à tous et à toutes, c'est Kantotreus pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une démo d'un jeu que je ne connais pas, que j'ai téléchargé il y a quelques semaines, voire mois, parce que ça avait l'air intéressant. Je me souviens plus du tout de quoi, de pourquoi ça m'avait attiré. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui sur Icarus.1. Alors, vu la tête du jeu, ça a l'air d'être un truc plus d'horreur ou autre, donc j'espère que ça devrait aller. Ah, c'est des QWERTY, c'est pas possible. Alors attendez. Setting. Quoi que ça peut-être marcher à la manette. Ça marche à la manette. Bon, on va faire de la manette. Alors du coup, back. Non, j'ai baissé le son du jeu, donc ça devrait aller dans vos oreilles, mais ça avait l'air d'être fort. Ok. Et on reste dans le thème spatial, décidément, depuis la semaine dernière avec Astronir. Je sais pas trop où je suis. Je suis dans un genre de vaisseau. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Je suis dans l'espace, tout est cassé un peu partout, ça sent pas très très bon, je vous avoue. Le bip me rassure pas trop, mais je ne peux rien faire pour l'instant. Aide-moi! Hop, on déclipse ça. Ouais, j'ai réussi. Et le jeu d'ailleurs aussi, enfin, ça t'intéresse, c'est juste une démo, donc. Donc le jeu complet, je ne sais pas combien il coûte par contre. Hop, on ouvre. Je sais pas si c'est un jeu d'énigmes, un jeu d'horreur, un jeu de. Là, c'est fermé. Là, ça a peut-être ouvert. Non. Parce que là c'est rouge. Parce que rouge c'est fermé, non? Ah non, ok. Rouge ça veut dire j'ai de l'énergie. Ok, j'en retiens, j'en retiens. En tout cas j'adore le. L'ambiance, même si mon fond vert fait un petit peu de la merde juste là-haut. Si mon fond vert voulait bien arrêter de faire de la merde. Nous sommes arrivés, là, j'ai pas envie de trop lire l'histoire. J'ai envie de jouer, en fait. Enfin, si le jeu veut bien. Alors, il y a une porte qui a l'air d'être ouverte ici. Il y a une autre porte là-bas. Il y a plein de portes. Attendez, je reviens. Excusez-moi, j'ai éternué, donc je vous ai coupé ça dans mon montage. Parce que bon, c'est pas sympa. Alors, est-ce que j'ai besoin de l'activer ici ou... Ça se trouve, je sais pas s'il y a une menace qui va me tomber dessus, genre à l'alien, ou si je dois juste genre découvrir qui je suis, où je suis, tout ça, tout ça. Encore des mails. Chère dame, on est finalement là, l'espace est grand et solitaire. La vue vaut vraiment le coup, mais tu me manques. J'espère que. On s'en fout. C'est bon. On t'aime. Ok, donc c'est deux personnes qui s'aiment. J'entends une voix féminine, donc est-ce que c'est moi qui parle? Et donc dans ce cas-là, est-ce que c'est. Je me réveille ici sans. Et j'étais la seule à bord, ou ça se passe comment? Le jeu nous habitue à cette logique de.
J'ouvre une porte, tout va bien. Mais la lumière qui s'éteint, ça me rassure pas. Et il n'y a pas de petit son. J'entends pas. Ah, ça a besoin d'une clé d'activation. Alors, est-ce que ce serait pas ça la clé d'activation? Je l'ai fait tomber ou ça passe comment? Je l'ai bien prise, ouais, d'accord. Je sais pas, j'ai pas fait bugger. C'est juste pas celle-ci. J'avais une clé! C'est pas possible. Pas d'item qu'on a. J'ai un peu toutes les touches, désolé. Qu'est-ce que ça s'ouvre ici? Non. Qu'est-ce que ça s'ouvre là-bas? Non. Donc il faut une clé d'accès. Pour moi, c'est ce que j'avais et j'ai juste. J'ai dû la faire bugger. Parce que je l'ai pris à la main et peut-être que dès qu'on touche un objet, je sais pas, elle la lâche. Ou bien elle s'est remise en place. Non, elle était juste là. Vous êtes d'accord avec moi, non? Moyen que je recommence ou que je fasse quelque chose. Je suis débile. Il fallait d'abord mettre la clé là où il faut la mettre et après on peut l'activer. Ah, j'allais dire ça a ouvert quoi en fait, ça a activé mon ascenseur. Donc j'écoute pas vraiment l'histoire. Bon, en même temps, c'est pas un let's play, hein, c'est juste une petite découverte sur une déco sur une démo d'un jeu. Mais bon. Cette musique flippante, qu'est-ce qui arrive? Plein de chaises ici, des ordi, ou peut-être juste une salle de repos. En tout cas, vu la taille du truc, j'étais pas toute seule ici, c'est sûr. En même temps, un vaisseau, pour une seule personne, ça se fait. C'est plutôt rare. Système verrouillé. Ici, ça charge. Alors, si ici c'était la chaise du copilote, peut-être que ici c'est celle du pilote. Pas assez d'énergie. Ok, donc on va devoir redonner l'énergie au premier panneau pour pouvoir débloquer le deuxième panneau. Ah, ça c'est le verrouillage des portes, je crois, j'ai l'impression. Donc en fait non, c'est pas une salle de repos, c'est une salle de commande. On doit être dans la salle principale de ce vaisseau-là, et donc tout le monde a ses. Tout l'équipage à sa place. Donc là-bas, il y a le pilote copilote, il doit y avoir d'autres personnes. Bref. Ok, bon. J'ai pas tout traduit encore une fois. Là, ça a l'air d'être du background. Moi, ce qui m'intéresse. Ah, il y avait un 2 tout à l'heure. Sur le panneau juste d'avant. Peut-être qu'il y a moyen. Switch. Switch. Et un petit smiley. Ça me fait vraiment penser à l'isolation dans le sens où les points de sauvegarde c'est exactement le même principe, donc c'est un truc à trois trucs où ça fait tut 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 et c'est bon. Switch.
Qu'est-ce que ça a fait? Ça a rien fait ici, en tout cas. Alors, est-ce que tu as assez d'énergie, toi, ou est-ce qu'il faut que j'aille voir les panneaux derrière? Non, t'en as pas. Donc, faut que je t'en amène. J'ai l'impression de tourner en rond, c'est horrible. Toi, tu pouvais faire quoi déjà? Ah, maintenant, t'as les deux énergies, toi, t'es content, tu peux. Toi, tu peux ouvrir les. Ah oui, c'est vraiment la salle de commande du coup. Ok, il y a un genre de soleil devant nous. Il est genre juste immense. Il y a une petite planète devant. Ah, c'est trop beau, putain. Attendez, il faut que je regarde. Waouh. Ok, alors est-ce que toi ça va mieux? Oui, tu as plein d'énergie. J'ai ouvert un truc, je sais pas ce que c'est. Et du coup, est-ce que à côté, toi, je peux te faire quelque chose du coup maintenant que ton copilote il est content? Non. Lui, je sais pas ce que c'est. Alors, on a réussi à ouvrir une porte. Alors, à mon avis, c'est un peu à la Alien Isolation, hein, donc on va devoir faire des allers-retours et tout. Après, c'est juste une démo, donc je pense pas que. Bon, ça a ouvert ici. Ouais, mais si je tombe ici, je meurs, non? On essaye. Ouch. Après, je sais pas si j'avais le choix. Parce que là, maintenant que je suis tombé ici, j'aurai du mal à remonter. En même temps, si je pouvais pas tomber. Enfin, si c'était un endroit dangereux, soit il m'aurait tué directement, il m'aurait refait respawner avant. Soit. Une croix. Ok. Donc il y a une croix au sol comme ça. C'est mauvais signe, il y a un genre de petit piège. Oh la vache. J'aime pas trop ça. Ici que je peux switcher. Ah, c'est un ascenseur. Bien. Ça nous amène où? Est-ce qu'on est déjà venu ici? J'ai pas l'impression puisque ici c'est fermé. Non, on n'est jamais venu ici. Ok. On va continuer. Je suis déjà venu ici, c'est là où t'as l'ascenseur pour monter là-haut, d'accord. Mais du coup, qu'est-ce que ça m'amène d'avoir fait ça? Je vais peut-être débloquer le truc avec le pilote. Par contre, je peux pas remonter comme ça. J'ai pas moyen de rappeler l'ascenseur. C'est quoi ce truc? You need a ratchet. J'ai besoin d'une clé à molette pour ouvrir ce truc. Est-ce que j'aurais pas une clé à molette qui traîne? Évidemment, je pense pas, mais. Ah. Ok, j'ai ouvert le coffre. Juste un tout petit peu. Ça n'a pas été très utile, sauf si j'ai récupéré une clé à molette sans qu'ils me le disent. On va essayer. Non. Alors, est-ce que je peux retourner en arrière? Non. Ok, c'est-à-dire que la solution est ici. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'es ouvert un tout petit peu? Tu as besoin d'une ratchet, encore une fois. Pour une clé à molette. Pour bien ouvrir le coffre. Donc la clé à molette doit être ici ou à côté. Donc à mon avis elle doit être à côté.
Avec la possibilité peut-être que cet ascenseur-là continue à bouger. Potentiellement. Quoique je pense qu'il n'a que deux positions en bas au-dessus. Après, ce n'est qu'une hypothèse, j'ai pas à tester. Mais ça a l'air d'être juste un bouton switch classique. Donc je vois pas ce qu'il pourrait trop faire d'autre. Alors, est-ce que lui veut bien s'ouvrir? Hatchet. Non. Il y a une sécurité à l'intérieur. Et il me faut une clé à molette absolument. À moins que ce soit pas clé à molette, mais. Autre chose, la traduction, mais. Alors, bonjour. Et on s'en fout. Je voudrais une clé à molette. Alors, puisque on la trouve nulle part ici, on va peut-être essayer de descendre du coup. Enfin, de redescendre. Si toi je te réactive. Voilà, tu me redescends. Alors, est-ce que en bas, je vais trouver une clé à molette? C'est la question, puisque en bas, on en vient. Et il y avait juste eu un piège. Après, peut-être qu'on l'a pas vu et qu'il était juste à côté de nous. Alors, le jeu est très très sombre. Mais je peux pas régler la luminosité. Alors, ça, on va passer dessus rapidement. Avant que ça nous électrocute. Et on va voir ici si on n'a pas. Une clé à molette. Ah. C'était pétard. C'était juste pour avoir la lumière. Et mieux voir. Ça, on passe rapidement. Sauf si justement, peut-être que la clé à molette est accessible juste ici. Et que justement, il faut que je joue sur le timing et tout. Ça m'étonnerait. Hein. Honnêtement, ça m'étonnerait énormément, mais. Mais en même temps, il y a un timer. Ok, non, je vais pas trop déconner. Hein. Je pense que c'est juste pour qu'on prenne à peu près au sérieux le fait que. L'éteindre. Allez, donne-moi une solution. Ne me laisse pas sur un échec. Je dois peut-être louper, hein. Je suis pas infaillible. Là, je passe pas, je suis trop gros, d'accord. Je retiens, mon personnage est obèse. Là, il y a une chaise, les armoires, y a rien. Les tiroirs, je peux rien faire. Là, c'est un ordi. Je refais un tour. Ah! Je suis aveugle, il était juste là. Bon, moi j'ai récupéré les genres de lampes là. Non, je vais pas ouvrir ça. C'est une rachette? No item to use. Bah, j'ai récupéré quoi là? Alors, attendez. J'ai cru récupérer le bon objet, mais. Apparemment, le jeu me dit que non. Donc, on va juste essayer sur ça. C'est bon, je l'ai eu. Ok, nickel. En fait, c'était pas un. C'est pas vraiment un. Voilà. Ça ouvre ici. C'est chiant de pas savoir si on est tout seul ou autre. Alors ça s'est ouvert, donc je crois que je reviens de là où je suis. Je crois que c'est mes bruits de pas que j'entends. Faut pas que je panique. C'est là où je viens, d'accord. Bah oui, je suis con.
Any questions can be answered by your section team leader. Ça s'est activé. Est-ce que du coup en ouvrant le reste, j'ai pas réussi à ouvrir un peu plus de choses ici? Si, j'ai l'impression que je peux switcher le truc ici. Je vais continuer un peu, je sais que ça fait un peu plus. Là ça va faire un peu plus que 20 minutes la vidéo, mais je suis curieux. Et ma faim n'est pas encore assoiffée. Je veux savoir ce que réserve ce jeu. Ah, c'est peut-être la fin de la démo. Ou un changement de zone. Démo collected. Parfait, mais je vais peut-être pas arrêter tout de suite, sinon je me serais dit putain, sauf je passe à côté de quelque chose. Et bah écoutez, j'ai plutôt bien aimé ce jeu. Enfin, cette démo. C'est un petit peu spécial. On n'a pas eu de screamer, on n'a pas eu de trucs vraiment flippants. Mais j'ai bien aimé l'ambiance, les graphismes, le côté un peu. Bah, débrouille-toi, il faut que tu réussisses à continuer, mais on ne guide pas, quoi. C'est nous qui devons faire les connexions. Et ça, j'aime bien. Bref, du coup, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à partager si ça vous a plu, et moi, je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Cleaner than your church shoes, belly point two just to hurt you.